So she was a politically persecuted in Turkey. She had an imminent risk to her life and liberty. And nonetheless, the European authorities and the Greek authority ignored her. She was really begging to them, showing them her IDs and travel documents, but was ignored. Why? Because the way she looked. Probably Muslim, probably looking like a refugee, probably not white. And so what we are experiencing here, if you asked about what law has been violated, so Greek law, EU law, European law, international law, but also the rule of law. Et là, il a demandé le passeport, etc. En nous disant, en nous rassurant toujours, en disant, bah, écoutez, ne vous inquiétez pas, ils sont sur les territoires grecs, le problème, ce n'est pas ici, c'est la Turquie. S'ils ont mis les pieds sur le territoire grec et qu'elle est bien en possession de ces documents, ils ne craignent rien, ne vous inquiétez pas. Il a demandé les copies des passeports, c'est ce que ma sœur, elle a fait. Donc, il nous a bien dit en disant, ne vous inquiétez pas encore une fois, j'envoie ça à la police grecque et ils ne craignent rien. Ils avaient un bâton à la main, donc ils leur ont demandé de se taire. Donc il n'aura pas donné la parole. Elle n'a pas pu s'exprimer comme elle l'aurait voulu en fait. Elle a dit en anglais et en français qu'elle était persécutée, qu'elle allait rejoindre sa famille en France, mais elle n'avait pas pu continuer à parler parce qu'on ne lui a pas autorisé. Donc là, ils ont mis toutes les affaires par terre, ils ont fouillé toutes ces affaires et là, ils l'ont embarqué dans un camion, derrière un camion, vers le lieu où... le refoulement allait avoir lieu dans la soirée. Tout d'abord, on est totalement déçus de la part des autorités grecques parce que voilà, c'est un pays européen. On pensait qu'ils n'allaient pas remettre une personne persécutée à son persécuteur, tout simplement. On est également déçus de la part pour les autorités françaises parce qu'on a été abandonnés. Ils connaissaient très bien l'affaire de ma sœur et au moment où j'ai eu besoin d'eux, et en fait, on m'a laissé.